Ah, il y a mon train. Moto versus train. Salut les mecs, c'est Léo. J'espère que vous allez bien. Il est 6h du sbar. Non, c'est mentir. Il est 7h et des patates. Et aujourd'hui, on est parti à la maternelle pour essayer d'aller trouver une copine. Qu'est-ce que je raconte? Bref, j'espère que vous allez tous bien les mecs. Et les filles. Bah c'est vrai qu'il y a des minettes. Hein. Aujourd'hui, on va au lycée. Il fait beau, il fait soleil, il fait 17 degrés au matin, bien sûr. Du coup, ce matin, on se la caille. Hein. Mais cet après-midi, ça sera mucho caliente. On sort la moto, même avec le 98 à 2,21€. Donc là, je peux vous dire que si vous mettez pas des pouces bleus, ça va commencer à coûter cher. Il va falloir 2-3 minutes pour chauffer les pneus. Comme d'hab, on rôde les pneus sur le circuit. Et après, c'est t'y part, hein, mon gars. Bon, j'espère pas me taper les bouchons. De toute façon, frérot, j'ai envie de te dire. Maintenant, ça y est, on est devenu un pro. On fait de la terre file et tout. Hein. Regardez, lever de soleil, motivé pour aller à l'école. Oh, cet été, ça va être des dingueries. Ça commence à bouchonner, j'ai même pas sorti de la ville. Merde. Hop, le petit dodan. Ouah. Et y en a, ils ont frotté, ça se voit. Hein. Y avait des traces de bas de caisse. Non, frérot, ça bloque pas déjà d'ici. Ça serait insolent. C'est quoi la différence entre une 206 et une 207, les mecs? La motorisation, elle change. Y a vraiment une grande différence. Parce que je suis sûr que là, y en a plein dans mes abonnés. Ils ont eu le permis où ils vont l'avoir. Du coup, ils ont eu leur caisse. Et c'est sûr qu'il y en a, ils ont eu des 207 ou des 206. C'est les voitures de jeunes, ça. Putain, en même temps, tu rajoutes les camions au matin comme ça. Ils partent tous en même temps. Oh, y a mis des gens de tuning. Oh, c'était Flamingo. On va même pas s'arrêter, j'ai bien l'impression. Non. Oh là là. Je vais me faire écraser, moi. Moi, tu peux y aller, frérot. De toute façon, je vais te dépasser après. Hop, tu te mets là. Un camion. Enfin, attention, hein. Hop, ça passe. Ça passe. Et merci les bouchons. Ah ouais, ça bouchonne jusque là, l'entrée de l'autoroute, frérot. Ah ouais non, là t'es énervé dès le matin. C'est bon, on n'aura même pas été bloqué. 120D là, bam, on lui rentre dans le cul. Ça existe pas 180D? On va voir en combien de temps on arrive au lycée, hein. Voir si on a fait un record mondial ou pas. J'ai pas de rétro à droite, du coup je peux pas voir, je suis obligé de faire comme As. Manino, non, ça va mon frère. C'est bon, il y a son père, ça va, c'est vide ce matin. Bon là, il y en a plein qui vont retourner au lycée en moto et tout, hein. Ça y est. Maintenant il fait beau, c'est la vida loca là. On va pas râler d'aller à l'école maintenant, vu qu'il fait beau. Eh, toutes les étoiles sont alignées pour que je passe. Oh, avec un petit étang et tout le matin. Quelle vue. Oh là là. Tu vois, après, ce qui est bien d'y aller en bus, en train, en voiture, comparé à la moto, c'est que tu peux réviser. En moto, frère, je me vois mal avec mon petit calepin, ma petite fiche Bristol. Putain, mais tout est aligné pour que je passe devant tout le monde ce matin. Merci, le couze. Elle était belle, ta golf. Je me vois mal réviser, tu vois. Ouais, regardez, le soleil dans le rétroviseur, il est... Wouh ! Quel sunset, quel beau sunset. Arrêtez, je vais être ébloui. Ouais, c'est bien, et ça roule de ouf, hein. Je vais arriver avec une demi-heure d'avance, là. Putain, mais frérot, il y a un soleil, il est aberrant. Un jeune soleil mité dans mon rétroviseur. Non, t'inquiète, frérot, j'ai pas envie de te dépasser. J'ai pas la puissance moteur, je fais le kéké derrière, mais sinon au-dessus de 100, je suis déposé par terre, moi. Le but, mettre 3 minutes à Waze. Ah si, en vrai, je pourrais mettre mon support de tel et lire mon tel en même temps pour réviser. Non, mais allez. Vous avez une grosse journée, vous, les mecs, quand vous voyez la vidéo. Ça se trouve, ça sera posté un week-end, du coup, personne sera en cours. Moi, aujourd'hui, c'est petit exposé des familles. Et voilà, hein, pas d'interro. Normalement, moi, j'ai une interro par jour. Mais là, aujourd'hui, ça, c'est light. C'est demain. Oh, il tente un dépassement avec sa jeune Clio. Et refuse le dépassement. C'est con, on n'a pas la conso instantanée en moto. Ah, mes jambes commencent à avoir froid. Salut les collègues. Et là, ils me disent bonjour. Ah, tellement je suis un motard impressionnant. Pareil, le jeune rond-point, le jeune giratoire où je ne sais comment me positionner. Il est aberrant, ce jeune giratoire.
Je vais faire ça avec l'auto-école, ils vont rien comprendre. Tu vois, là, on va tous les deux à la même direction. Sauf qu'il y en a aucun qui s'est placé au même endroit. Moi, j'ai suivi le camtar. Ah non, il y en a un qui est parti là-bas. Ah bah, je suis bien positionné. Putain, non, on va se taper un petit camion. Est-ce qu'on tenterait pas, avec la nouvelle transmis, un dépassement? Il y a moyen, non? Nouvelle transmis, là, ça y est. Putain, c'est un gros camtar et il y a une plaque aussi petite que ma moto. Au pire, on roule sur la piste cyclable, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, hein. On le dépasse par la piste cyclable. Ah, lui, il est chaud du cul, vélo de route, 7h au matin, waouh! N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, je vous l'ai dit. Les mecs, venez sur mon TikTok, on est bientôt 30 000. Je le partage jamais et pourtant il fait que de monter. Du coup, ça fait grave plaisir, c'est-à-dire que vous me retrouvez sur TikTok. Je sais pas ce qu'il y a dans son camion, mais ça pue la mort. Je vais arriver en cours, ils vont me dire. Pas mal le nouveau parfum, mon gars. Ouais, c'est parfum merde de vache. Wesh, il était déterminé. Vas-y, tous les motards, ils sont de sortie ce matin. Faut vraiment que je le dépasse, là, si... Putain, là, t'as un gros cube, frérot, t'es déjà au bout de la ligne droite, en wheeling. Oh, moi, je dis pas bonjour ce matin. Non. Ah. Et lui, il a pas envie de me dire bonjour, ça se voyait. Oh là là, toutes les petites minettes conduites par le jeune daron miteux au lycée, avec leur tarpé monumental. Ah, je commence à avoir froid aux jambes, je vais pas te mentir, là, je vais avoir les poils qui remontent. Je vais avoir un kiki, va être comme ça à 8h. Bah, enfin, il est toute la journée comme ça, vous êtes bêtes ou quoi? On parie, il tourne à gauche. S'il tourne pas à gauche, je le double sur la piste cyclable. Hall d'exposition. Frérot, je vais pas te mentir, là, ton hall d'exposition, il me donne pas trop envie, ton showroom. Je sais même plus, c'est 30? Non, 50. De toute façon, on verra bien s'il flash. Hein. Non, je crois que c'est 30. 50. Ça va, collègue? Ah, il y avait une mini-moto, lui. Oh, mais il est ouvert, il fonctionne pas. Ouah, tranquille. Ouais, vas-y, frère. Et là, bim, petit flash. Petit appel de phare derrière. Tu veux que je te monte? Tu vas où? Si tu vas au collège, y a pas moyen, je te monte. Si tu vas au lycée, ça peut se discuter. Effet béton, effet parquet. On dirait pas le gel Viveldop à l'ancienne, frère. Ouais, moi j'ai acheté le Viveldop, effet crépi-mur, effet parpaing. Attends, là je vais pouvoir me mettre à gauche, je vais le fume-tard, frère. Ouais, ouais, c'est rouge. Oh, les bâtards, ils sont passés au rouge. Oh bah, nickel. Oh putain, attends, il est haut le feu. Wesh, ils ont cru que je faisais 12 mètres ou quoi? Attends, mais je vais me faire un torticolis là. Allez, frère. Eh ben là, j'ai plus de rétro même. Ça serait bien d'y aller en limousine. Je la loue, frérot, j'arrive au lycée comme ça, je rentre dans la cour avec carrément. Putain, ce feu, il était horrible. Je vais arriver en retard à cause de lui. Tu m'as vu, hein, tu m'as vu, Josiane. Là, tu prends l'aspi, c'est l'aspi. Tu décales au dernier moment, tu décroches et tu dépasses. Est-ce que j'aurai l'heure sur cette jeune moto 7h44? Hein? Putain, mais je me la traîne. Moi, si j'arrive en retard, je dirais que c'est de la faute du feu rouge. Vous pensez, ça passe en mode excuse? Attends, 2-10. 2-17, à 2-17. Attendez, je retire le god que j'ai dans le cul à 2-17 là et je vous le donne. 2-17, sa mère. Et dire que Covid, on le mettait à 1-30, 1-34. Je faisais des vidéos, je râlais, il passait les 1,50. Si j'avais su, j'aurais acheté un camion citerne, maman, 200 litres. Ah oui, il jette son mégot, là, tu vois, je vais faire le motard justicier, je vais le reprendre, je vais le jeter dans sa gueule. Au moins, la vidéo, elle fera 1 million de vues. Et après, je pourrais acheter du 98 jusqu'à ma mort. Wow, la jeune femelle a sorti le croquis top. Ah, je te prends même pas sur mon vélo. Là, on arrive aux 24 heures du Mans. Toutes les voitures sont prêtes au stand. Citroën. Vas-y, ça existe pas les boîtes auto en moto? Non, en vrai, un shifter, ça serait pas mal. Et nous sommes surtout dans un haut régime moteur. Je n'adopte pas un régime respectueux de l'environnement avec une éco-conduite. Ça serait drôle, ça. Ils envoient la boiserie et babas, frérot, passer le permis. Adapter une conduite pour l'environnement et une éco-conduite. Qui a vu leur perf au Touquet? J'y suis allé au Touquet, je vous ai pas fait de vidéo parce que je savais qu'il y en a, ils allaient le faire à ma place. Et que la vie de ma mère, le Touquet, c'était blindé cette année. Je vais te faire écouter le Védou. Quand t'as une grosse moto, tu peux le faire, hein. Quand t'as une 50, tu fermes ta gueule, à part casser les oreilles à tout le monde, même aux pigeons. Moi, tu vois, je sais que là, je dois pas me dépêcher pour choper une place de parking, parce que déjà, je suis en moto, et de deux, j'ai un garage privé. Eh bah oui, parce que tous ceux qui viennent en voiture, ils se disent « Putain, je dois mettre 5 minutes à trouver une place. » Oh là là, les gens de Doré, frérot, c'est une sub. Subaru.
T'imagines, un jour j'arrive à me faire contrôler avant d'aller au lycée. Raison du retard. Oh frérot, je me suis fait arrêter par deux motards sur la nationale. Ils m'ont mis 90 euros pour ma laine de roche. J'ai les jambes gelées, j'ai le sgeg tout gelé. Yeah, j'ai le nain ni nana, vive le vent d'hiver. Je sens l'essence à plein nez, mon gars, je te jure, c'est pas cool. Quoi, c'est du tuning, frérot, qui l'a fait? C'est lui qui l'a fait? Non. Attends, il s'est fait un pick-up GTA 5. Moi, je m'en souviens, le jour de l'examen, le mec est arrivé pleine voie de bus. Il a grillé le stop et tout. Ah, j'étais mort. Je sais toujours plus où je dois tourner. C'est ici ou à la prochaine, on verra bien. Et c'était ici, ta grand... Centre des finances publiques. Ah bah tiens, je vais aller leur donner les milliers d'euros que je leur dois. Je vais aller rembourser mes dettes. On dirait que je suis un stop, frère. Oh, la jeune minette, elle arrivait, elle a déposé sa golf en bas de mon collège. Oh putain, il fait mal celui-là, je l'ai jamais... Oh, putain, je suis le seul qui prend le dodan. Là, ça va être un film de boule. Là, ça peut être un film de boule. Ça peut partir en couille. À tout moment, ça peut partir en couille. Genre vraiment, grosse embrouille des anciens. La prof de français qui sort. Non, par contre, moi, à l'ancienne, j'arrivais là, je faisais des accélérations à 2,20, quoi. Ouais, 2,20, non. Non, 20, ouais. 20. Pas 2,20. 20, c'est bien. C'est bien, j'ai la visière teintée, je peux regarder tous les culs que je veux. Petit GTD, c'est les derniers, ça. Je peux regarder tous les boulards, y'a personne qui me verra voir. Je commence par cours de... Management. Ah, vas-y, elle va se casser un talon, elle. Est-ce qu'il y a moyen, tu penses, de niquer tout le monde, frérot, et de passer par là? Bah non, il y en a aucun qui va se décaler. Bah oui, ça c'est logique. Mais laissez-moi passer. Lui encore, il est gentil. Il pourrait me laisser passer. Je sais qu'il est gentil. Mais l'autre devant, il est pas gentil. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pipi, 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 pipi. Oh, GitHub. Poupipou, lui je lui roule dessus. Hop. Allez, on se retrouve quand je suis arrivé. Bah oui. Non, tu veux pas les prendre, ils sont trop pleins de merde. Au revoir. On peut faire un TikTok, tu veux que je te dépose? Fonce, au revoir. Goodbye. Si ça démarre pas, la honte. T'imagines si ça démarre pas? Bah tu l'as toujours oublié. Oh ouais. Non bah ouais, là-bas c'est une impasse. T'imagines, je démarre pas. Si ça démarre pas, je vais me taper la honte. Mais elle va démarrer au quart. Libérable. Un roi de rage. Ça me fume. Tous tes potes ils sont en caisse, toi t'es encore avec ça. Je vais faire exprès de caler. C'est un mec de ma classe, ça me fume. Y'en a, ils ont le permis, moi je suis là avec ma derby, frérot. En vrai, elle est belle, sa caisse. C'est une Fabia, je crois. C'est pas de ma faute. Ça va, Momo? T'as vu, y'a même Lorenzo là. Ouais. Eh, hey, tu prends combien avec ça? 50. Le ouf. Putain, mais ils sont garés. Ils sont garés là. Bon, du coup, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je vais rentrer en 2-2. Mon objectif, c'est d'arriver avant l'heure que j'arrive si je prends le bus, frérot. On verra bien. Hein. Wesh. Qu'est-ce qui branle devant là? Ça fait roi de rage, frère. Ouh. Aidé. C'est qu'elle est pas vieillienne celle-là. C'est Jane Darren, frère. Oh shit. Ça, je fais pas de bruit, vous me voyez pas. Ouh là là. Petite sirocco. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la pompe. Elle va se faire fister. Si tu veux, moi je te le fais gratuitement.
Et hop, je suis sûr dans l'ancien temps ils étaient tous avec des scouts et tout. Mais tard l'époque. Là il y en a pas beaucoup en vrai dans mon lycée. Ou soit ils viennent pas avec, mais... Il sort de sa camionnette tranquille lui. Qu'est-ce qu'il fait frère? Wesh, c'est le bordel ici. Il sort de la camionnette à l'arrière comme ça frère. Mais là mais frère il roule à gauche, à droite. Il sort un mec de son coffre. Bizarre hein. Oh c'est quoi, c'est quoi la marque? On dirait je te jure c'est les logos d'une Mustang. Ouah non. Oh les bouchons. Bon moi je vais tout là-bas et là ça bouchonne jusqu'à tout là-bas. Y'a quoi, y'a un feu là? Bah non y'a rien. Platis pas frérot, je vais griller un feu. On va rien comprendre. Ah, vous avez mangé quoi ce midi? Oh moi c'était vla 3 assiettes de pâtes bolo. Oh, j'ai fait que dormir l'après-midi. En vrai ça va, j'ai pas beaucoup de cours. En vrai tellement il y a de bouchons, je pourrais limite aller faire un tour au garage. Dire d'aller m'acheter une petite caisse. Vous êtes beaucoup les mecs vous à aller en 50 ou en scout au lycée. Nous rachetons cash votre voiture. Et la derby tu la rachètes cash? Bah ouais, c'est une valeur sûre la derby. Ça vaut de l'or. Dans 10, 20 ans il n'y en aura plus. Quelle ref. Dites-moi vous avez la ref. Ou i ou a a di di balabalabala ou i ou a a on avait ce qu'il a bac. Celle-là elle est dans la tête de tout le monde, c'est sûr. Oh y'a, vous voulez pas, je vous dépose la derby, vous m'en donnez une. Une petite Mercedes. Oh le rond-point frérot il était pris de manière très hasardeuse. Si je pète en roulant je vais plus vite ou je me chie dessus? Est-ce que vous avez un compte tour vous? Ça vous pouvez pas le reprocher hein, tout ce qui est Régio, MRT, Cherco, vous avez pas de compte tour. Là, compte tour mon gars. Et ouais c'est le grand luxe. Quand c'est une commune marquée sous avec le nom de la ville, ça veut dire que la ville elle est en dessous géographiquement, au-dessus. Ça veut dire quoi en fait? Trop jeune, arrêtez. Oh putain, arrêtez, trop jeune. Putain. Ça c'est chiant, tu peux regarder autour de toi, tu vois pas devant sa freine. Bam. N'est bon qu'à refaire un arrière. Allez on va essayer de bien le prendre sur le giratoire. Petit clignotant. Le regard, la sortie, on gaz. On va serrer. Je pourrais jamais le dépasser. Je dois rester derrière. Oh, je vais m'envoler. Oh, ce vent. Droite, gauche, ma tête elle bouge toute seule. Bon sinon les mecs, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous en voulez d'autres comme ça, la prochaine fois j'y vais en 85SX, en cross. Faut vraiment être un crack pour aller à son lycée en cross. Frérot, à la récré 10h quand tu vas faire ton petit goûter, t'auras la gendarmerie avec toi. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit.